Un concert qui tourne au chaos. Ce vendredi 3 juin, plusieurs milliers de personnes étaient venues assister à l'enregistrement de l'émission La Chanson de l'année sur les plages du Mourillon à Toulon, dans le Var. Mais juste après la fin du tournage, de nombreux spectateurs ont déclaré avoir été piqués lors de cette soirée. Selon le procureur de la République du Var auprès de nos confrères de BFM Toulon-Var, 14 personnes auraient même déposé plainte. Parmi les victimes, un agent de sécurité a été hospitalisé. Des prélèvements sanguins et urinaires sont réalisés à visée toxicologique pour voir s'il y a des produits qui seraient en mesure d'établir l'administration de substances nuisibles, a indiqué le procureur, ajoutant que 2 personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue. Des gens ont été sortis pour des malaises sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont rapporté les faits qui se seraient produits. Des gars avec des seringues se sont mis à piquer beaucoup de personnes qui ont fait des malaises après cela, la chanson de l'année, c'était du n'importe quoi, la sécurité n'a pas bien fait son travail. Il y a eu plein de piqûres et plein de filles s'évanouissaient, une horreur, nous étions dans la foule au début avec des copines, nous avons fini par partir au moment où des filles ont commencé à tomber de partout, des gens n'ont pas arrêté d'être sortis pour des malaises, c'était toutes les 30 secondes, ont notamment témoigné des spectateurs présents sur place. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale du commissariat de Toulon pour tenter de faire la lumière sur ces agissements.